Monsieur Simon Kazungu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir en exclusivité sur Congo Live Télévision pour analyser plusieurs questions d'actualité. Voilà, il faut préciser que la semaine dernière, au Nord Kivu, la semaine elle a été dominée par des manifestations anti-MONUSCO. Mais nous vous recevons en tout cas ce lundi pour parler toujours de cette question parce qu'elle est toujours d'actualité. Mais on commence par l'information de Kassindi. Il faut dire que la journée du dimanche a été marquée par des agitations. Il y a eu un incident où on signale en tout cas trois civils qui ont été lâchement abattus par les casques bleus des Nations Unies. On a suivi également la déclaration de l'ONU qui a condamné cet incident. Vous, en tant que fils d'abord de cette province, ainsi qu'un analyste indépendant dans la région de Kralak, comment vous analysez cette situation, il faut préciser, par rapport à toutes les manifestations qui exigent le départ de la MONUSCO? Oui, merci beaucoup. Nous devons commencer par présenter nos condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées à travers la province du Nord Kivu. Vous savez, maintenant, à Goma, Butembo, Beni, Kassindi, quand on se réveille le matin et que les gens nous recevons des coups de fil, les gens nous posent une question, c'est celle de savoir, est-ce que la MONUSCO n'a pas encore tué? Parce que maintenant, la MONUSCO, qui était connue comme une force onusienne, qui est connue avec sa branche de droits de l'homme, qui nous fait des rapports pour dire tel a tué, la police a fait ceci, l'ANR a emprisonné. Maintenant, c'est elle qui commence à tirer sur la population qu'elle est supposée protéger. Et la salutation aujourd'hui, à partir de la semaine passée, c'est « Est-ce que la MONUSCO n'a pas encore tué ?» Et je crois que c'est une très très mauvaise image de ce que nous appelons la communauté internationale, la République démocratique du Congo. Je crois que de tels incidents n'ont jamais existé ailleurs. Ça existe seulement chez nous et nous on se pose des questions, pourquoi seulement chez nous? On a beaucoup de réponses. La première c'est de dire que l'État congolais est très très faible et cette faiblesse fait que tout le monde, tout cela qui arrive au Congo peut faire n'importe quoi. Les Rwandais peuvent venir jouer leur théâtre au Congo, ils arrivent, même si on découvre leur tenue, on découvre tout ce qu'ils font au Congo, ils peuvent nier, il n'y a personne qui poursuit l'enquête. Les Ougandais, ils font aussi du théâtre au Congo et il n'y a personne qui dénonce. Maintenant, c'est des forces de l'ONU qui viennent et qui font un théâtre macabre. Parce que ça fait couler le sang de nos compatriotes et nous semblons nous taire. Je crois qu'il est temps que notre gouvernement puisse se lever pour dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais je constate que notre gouvernement, surtout le président de la République, il semble condamner même la population qui a le droit de manifester. Parce qu'il faut qu'on soit d'abord d'accord sur une chose, c'est qu'en novembre, ce qui était la MONUC, qui est maintenant la MONUSCO, ils vont totaliser 23 ans à République démocratique du Congo. Mais les bilans qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire ils nous ont aidés, c'est vrai, dans les élections à 2006, ils nous ont aidés dans les élections à 2011. C'est vrai qu'avec le régime Kabila, quand même, il y avait des choses que la MONUC ou la MONUSCO faisait et qui faisaient peur à ceux-là qui gouvernaient à ces temps-là. Et on tirait quand même quelques bénéfices de la présence de la MONUSCO. Oui. Mais nous nous étonnons que la MONUSCO, maintenant, ça devient
vraiment quelque chose que tout le monde ne veut plus entendre, même nous qui avant essayons de faire comprendre à la population que, écoutez, ces gens-là, ils nous aident, ils passaient par des prisons pour aller voir s'il n'y a pas de torture, s'il n'y a pas des gens qui n'ont pas été emprisonnés sans cause, ainsi de suite. Mais maintenant, ils ont terni cette image. C'est elle qui commence à tirer sur les manifestants, qui commence à tirer même, pas seulement sur les manifestants, même sur les agents de l'ordre. Ouais. Nous l'avons appris à Kassindi, par exemple. Ah oui, à Kassindi, à la frontière avec l'Ouganda. Ils ont tiré sur la police, ils ont tiré sur les agents de l'immigration, ils ont tiré sur tout le monde. Et on se demande, est-ce que c'est vraiment l'image de la MONUC que nous avons eue ou de la MONUSCO que nous avons eue et qui était dirigée par exemple par William Lassie Swing, paix à son âme, ou par Kobler, qui ont marqué leur histoire. Est-ce que, parce que c'est une analyse, hein, est-ce que c'est pas parce que nous avons maintenant une Africaine qui n'a pas assez de lobby au niveau international. Madame Keïta. Oui, Keïta, alors qu'elle est très forte, elle se débrouille, elle fait beaucoup de navettes. Est-ce que c'est parce que peut-être ces pays ne sont pas, son pays d'origine n'est pas un pays bien placé, que maintenant ça devient une poubelle, parce que, excusez-moi le terme, je crois qu'il faudra appliquer ce terme, ça devient maintenant une poubelle. Est-ce que c'est ça la raison? Mais maintenant, la MONUSCO, il n'y a personne qui peut accepter maintenant que la MONUSCO puisse rester en République démocratique du Congo, parce que maintenant, ça fait des dégâts. Mais honorable, on voit vraiment la colère de la population qui monte du jour le jour. Il y a également des morts et des blessés à registrer. Est-ce que pensez-vous que c'était opportun que cette population exige le départ de la MONUSCO pendant qu'il y a encore un travail à faire, s'il faut le dire comme ça? Je crois qu'il y a un travail à faire. Mais la MONUSCO a montré ses incapacités. Et surtout avec son porte-parole qui parle vraiment pas correctement. Je crois qu'il est, temps qu'il puisse partir. Il y a, c'est vrai, un programme de leur départ, comme l'a dit le chef de l'État. Mais ça semble précipité ou bien ils ont un délaissement parce qu'ils savent que d'ici là, ils doivent partir. Ils se voient maintenant incompétents, ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire, ainsi de suite. Je ne sais pas ce qu'il faut maintenant faire, mais je crois que ce que réclame la population est tout à fait noble. Je crois qu'il est temps que cette MONUSCO puisse maintenant partir. Alors, honorable, revenons sur ce qui s'est passé hier dimanche à Kassindi. Il y a eu des Congolais tués, la MONUSCO a qualifié cet événement d'un incident, mais pendant que lorsqu'il y a eu des casques bleus qui ont été tués à Boutembo, la MONUSCO avait qualifié cela comme un crime grave. Comment comprendre cela? Oui, mais il y a une question que nous, les Congolais, nous nous posons. Quand un élément de la MONUSCO est tué, on parle de crime grave. Et quand la MONUSCO tue maintenant les Congolais, il faut quel qualificatif? Je crois que c'est une bonne question pour Madame Keïta ou bien pour le porte-parole Diane, parce que c'est lui qui parle. Mais il faut qu'on qualifie aussi quand la MONUSCO tue, quand elle tire sur les manifestants, quand elle tire sur les autochtones, Banyé Boulongo, les Bakolo Mabélé, vous tirez sur ces gens que vous êtes supposés protéger. Comment il faut qualifier ça? Je ne sais pas, le français, je ne sais pas. Mais c'est quand même inimaginable, c'est incompréhensible. On manque de mots en français pour exprimer. C'est que la désolation. Parce que moi, hier dimanche, quand on m'a parlé, non, ils viennent de tuer, j'ai vu les vidéos, j'ai dit, est-ce que je suis en train de rêver ou comment? Pourtant, je ne dors pas. J'ai essayé de pincer sur mon corps, j'ai dit, non, j'ai ma tête sur mes deux épaules, c'est-à-dire, je ne rêve pas. C'est ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un film, ce n'est pas une mise en scène, mais c'est ça la réalité, ils tuent. Comment il faut qualifier ça? C'est tout à fait inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Mais par rapport à ce qui s'est passé, qu'on a vu par exemple à Boutembo-Béni, on peut qualifier cela comme une légitime défense, parce que normalement, il y a la MONUSCO qui accuse les manifestants d'avoir été armés. Par exemple, à Boutembo, il y a même au niveau national où le porte-parole du gouvernement congolais a dit qu'il y a eu même des personnes qui étaient munies
d'armes et qui voulaient s'attaquer au casque bleu. Et du coup, en riposta, ils ont tiré. Est-ce que vous trouvez cela normal? Vous savez, j'ai été élu de Boutembo. Je suis de Boutembo, j'ai été élu de Boutembo, j'ai représenté le peuple de Boutembo pendant plus de 12 ans au Parlement. Je connais la population de Boutembo. Je sais qu'il y a quand même des brebis galeuses, je sais qu'il y a des gens qui jouent à des mauvais jeux, mais à interroger ceux-là qui étaient là dans la manifestation, ils disent que cette histoire est arrivée après qu'une femme de la MONUSCO est tiré sur les manifestants. Casque bleu. Oui, casque bleu. C'est elle qui a commencé. Bon, je ne suis pas... Il y a des enquêtes qui doivent être faites. Oui. Mais comme on a, dans notre pays, on ne fait pas assez d'enquêtes, mais on dit que c'est elle qui a commencé à tirer. Et dans cette débandade-là, comme à Boutembo, il y a des jeunes gens qui, à un certain moment, ils savent un peu la pratique. Oui. C'est à ce moment-là qu'ils se sont défendus maintenant. Et il y a eu des tirs en désordre jusqu'à ce que maintenant même des engins de la MONUSCO, ce que nous regrettons en fait, ils ont été tués. Donc il faut, la question principale par rapport à la situation de Boutembo, c'est de savoir qui a commencé à tirer sur qui. Est-ce que quand il y a eu des manifestations, c'est sûr que la police était là, la police devait encadrer les manifestations, les manifestants aussi. Est-ce que la police a découvert d'abord les armes entre les mains de la population pour qu'après on aille tirer sur les agents de la MONUSCO? Et si c'est vrai que les manifestants avaient des armes avant qu'il y ait des tirs, échange de tirs, qu'est-ce que la police a fait ou l'armée a fait pour aller barrer la route à ces manifestants qu'on dit qu'ils étaient armés? Je crois que c'est une façon de chercher à faire comprendre ou à expliquer les incidents qui se sont passés, les incidents malheureux. Mais je crois que ça ne doit pas se passer comme ça. Et pourquoi on a pris les corps, on les a enterrés avant autopsie pour connaître que telle cartouche qui a atteint tel manifestant, c'est une cartouche de telle arme, de tel calibre? Pourquoi? Mais je rappelle ici à Goma, il y a la division provinciale de la santé qui a interdit d'ailleurs à tous les hôpitaux de ne pas vraiment livrer les corps des victimes et aux membres des familles parce qu'ils attendent des enquêtes. Et je crois que c'est dans cette même démarche, j'espère bien. Mais est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est parce qu'on sait qu'ici à Goma, il n'y a pas eu des incidents comme à Boutembo? Pourquoi le maire de la ville et son comité, ils sont allés se précipiter pour aller enterrer le soir? Ils sont allés même ravir les corps aux manifestants. Nous déplorons aussi ce que les manifestants ont fait. Trop de bruit à la morgue de Matanda. C'est la foule n'a pas d'âme. Hein. Et puis quand on pleure, on dit toujours en Afrique qu'on ne regarde même pas la bouche de quelqu'un qui est en train de pleurer. Il faut les laisser d'abord pleurer, que les émotions passent. Mais ils sont allés ravir le corps la nuit. Et puis, on s'est convenu, on est allé enterrer. Et il y a eu même des fusillades au cimetière de Kitatumba. Je crois qu'il y a des choses très suspectes. Et pour, en fait, un peu couronner ce qui s'est passé à Boutembo, pour dire qu'effectivement, il y a la MONUSCO qui commence à tirer sur la population. Voilà qu'à Kassindi. À Kassindi, on force la barrière, la porte d'entrée de la République. Donc, on viole la souveraineté. On viole la souveraineté de notre pays. Et puis, ce n'est pas fini. On tire sur des gens non armés. Et même la police qui est là, qui doit maintenir l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, honorable, revenons sur la cérémonie d'aujourd'hui, une cérémonie d'hommage aux quatre casques bleus. Il faut préciser qu'il y a quatre casques bleus qui ont été tirés à Boutembo, mais il n'y a eu aucune autorité congolaise présente à cette cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui lundi à Goma. Comment expliquer, comment comprendre ce signal fort lancé aux Nations Unies? Pendant qu'il y a une délégation quand même, ça, on va revenir là-dessus, il y a une délégation en tout cas ministérielle venue de Kinshasa pour bien sûr cette situation. Mais la cérémonie d'hommage à Goma aujourd'hui sans aucune autorité congolaise, comment comprendre cela? Moi je crois que ce sont des entorses qui sont en train de se faire et je me demande ce qui se passe. Je l'ai encore dit ici que je ne comprends pas la MONU que nous connaissions, la MONUSCO que nous connaissions, ce n'est pas celle que nous connaissons maintenant aujourd'hui.
il y a trop de désordre. Comment on va aller faire des cérémonies pour les casques bleus, ce qui est tout à fait noble, mais on oublie et on ne veut pas que ceux qui sont dans les morgues, il n'y a pas de deuil, ainsi de suite. Je crois qu'il devait y avoir une certaine coordination entre la MONUSCO, le gouvernement, la République démocratique du Congo, la société civile, les mouvements qui ont fait les manifestations, et on allait coordonner pour que les choses soient bien faites. Mmh. Et vous comprenez que les autres sont encore dans la morgue, oui. Et puis on n'a pas fait, on ne sait pas s'il y a eu une enquête. Et cette enquête qui devait être indépendante, avec la participation, par exemple, de la société civile congolaise, des médecins légistes congolais, et avec le gouvernement congolais, ça, on devait faire aussi des autopsies au niveau des corps qui sont de la MONUSCO, ce que nous sommes en train de déplorer, pour connaître si c'est vrai, ces gens-là ont été tués par les manifestants congolais. Mais maintenant, on fait deux poids, deux mesures. Il y a des corps qui sont à la morgue, des corps de Congolais, comme c'est comme si on a jeté à la poubelle ces corps de Congolais, mais d'autres, parce qu'ils sont de la MONUSCO, on les prend, on fait une cérémonie, et puis on va les expédier dans leur pays. Je crois qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme ça. Et notre pays doit faire que nous soyons respectés, on doit être respectés quand même. Alors, honorable, le week-end dernier, le président Tshisekedi a déployé une délégation composée de 3 ministres, dépêchés donc à ici au Nord Kivu, composé du ministre national de l'Industrie, le ministre des Affaires sociales, ainsi que le vice-ministre, donc le vice-ministre de l'Intérieur. Cette délégation est venue s'imprégner de la situation. Qu'est-ce que la population, ou bien qu'est-ce qu'on doit attendre de cette délégation? Est-ce que pensez-vous que la question sera décantée, ou bien c'est quoi? On attend quoi de ces délégations? Vous savez, j'ai souvent été un peu critique par rapport aux délégations qui nous sont envoyées de Kinshasa. Parce que souvent, les délégations sont pressées. Et les délégations ne savent pas trop fouiller par rapport à certaines réalités. Je me souviens d'une délégation qui était là quand il y avait le volcan à Goma. Ouais. Les gens m'avaient mal interprété, mais je disais la vérité. Ces délégations coûtent combien à la République? Ces délégations vont faire quel travail à la République? Pourquoi ces délégations ne pouvaient pas parler et appeler le ministre des Affaires étrangères pour dire, écoutez, comme il y a des corps à Goma et qu'on doit faire des autopsies, on doit faire des enquêtes, on doit d'abord faire un certain stand-by pour connaître si réellement les corps aussi de la MONUSCO, on doit aussi avoir un certain résultat par rapport à ces corps des agents de la MONUSCO. Donc vous voyez que c'est d'abord un premier échec. Je sais que dans cette délégation, il y a des gens qui sont très dynamiques, des gens qui connaissent la réalité de la province du Nord Kivu, comme le ministre de l'Industrie, Julien. Ils connaissent, mais est-ce qu'ils n'ont pas les mains liées? Parce que à un certain moment, ça devient protocolaire. À un certain moment, ça devient quelque chose qu'on doit vite faire. On n'approfondit pas la question. Et puis, on va rentrer à Kinshasa et nous, on va se débrouiller. Je me dis, vous savez que si cette délégation a un échec par rapport à sa descente de Butembo, de Goma, il y aura encore des problèmes à Goma. Attendez-vous. On peut s'attendre déjà à d'autres manifestations. Mais oui, attendez-vous les jours qu'on va enterrer ces gens qui ont été tués ici à Goma. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'ils viennent, donc ça fait presque une semaine qu'ils sont dans les morgues. Oui. Et puis, si la délégation vient et qu'on n'approfondisse pas très bien par rapport à la prise en charge, par rapport au social, par rapport à après eux, parce qu'il y a peut-être des parents, ça va être comment? Je crois que ça risque encore de surchauffer la population. On risque encore d'assister à des problèmes très très sérieux, alors que le chef de l'État a déjà dit la MONUSCO va rester encore jusqu'à 2024. Il y a un processus. Est-ce que ces gens de la MONUSCO auront encore la liberté qu'ils avaient avant, au lieu que cette délégation puisse travailler avec la MONUSCO sur certaines questions pour temporiser et pour mettre un peu de calme au niveau de la population? Ça m'étonne que la MONUSCO va rapatrier les corps
Et puis, il y a des corps qui sont à la morgue ici. La délégation est à Butembo, elle va rentrer ici à Goma. Est-ce qu'elle ne va pas être pressée pour rentrer à Kinshasa, comme c'était au temps du volcan où on se disait, nous on rentre, alors que Goma bougeait encore, alors que les gens étaient en déplacement, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien pour la population. Donc, alors, c'est autant de questions que nous nous posons. Alors, honorable, comme nous tendons vers la fin de cet entretien, alors, vous proposez quoi, vous en tant qu'analyste, vous proposez quoi concrètement au président Tshisekedi? En général, le gouvernement congolais, parce qu'il y a la population qui s'exprime, qui ne gère que d'obtenir le départ de la MONUSCO, bien qu'il y a des échauffourées entre manifestants et des agents de l'ONU, vous proposez quoi pour trouver une solution à cette question qui fait déjà des morts en province? Par rapport d'abord à la situation grave de Kassindi d'hier dimanche, je crois que le chef de l'État, avec la MONUSCO, pouvait faire que ces militaires-là qui ont tiré sur les agents à la frontière et la population à la frontière puissent être traduits en justice et qu'on voit. Si on ne peut pas les traduire en justice ou les mettre devant la barre ici en République démocratique du Congo, mais qu'on suive par une certaine chambre foraine et qu'on suive en direct comment on est en train de les juger. Parce que ça, c'est très important pour essayer de calmer la situation. Mais si, comme Mme Bintou Keïta a dit qu'ils ont déjà été arrêtés, on ne voit pas ils ont été arrêtés où, qui les a arrêtés et quelle va être la suite, alors là, je crois que ça ne va pas calmer la situation. Il faut que, pour calmer les esprits, que le chef de l'État, à travers son ministère des Affaires étrangères, qu'on puisse faire une lettre, qu'on puisse faire comme on le fait en fait, pour collaborer avec la MONUSCO, pour que ces gens-là soient jugés en public et que le Congolais puisse suivre et que ça soit une leçon, parce qu'on risque d'assister à ce que les agents de la MONUSCO vont commencer à tirer sur des Congolais, et c'est ce qui fait que nous sommes agressés. Nous voyons des Rwandais venir blaguer chez nous, les Ougandais blaguer chez nous et d'autres pays blaguer chez nous. C'est parce qu'on sait qu'à un certain moment, nous ne sommes pas très très forts dans une certaine mesure diplomatiquement pour que y ait des gens. Il faut que ces gens-là soient traduits en justice et qu'on suive et que les cœurs soient soulagés, parce que c'est ça aussi le rôle de la justice, pour apaiser la partie qui a été lésée. Voilà, ça c'est la première solution. La deuxième solution, nous allons demander au chef de l'État de faire tout, parce qu'attendre 2024, dans ce contexte, avec la MONUSCO et le peuple congolais, il y a une crise terrible de confiance. Ah, je crois qu'il faut faire un calendrier, parce que moi aussi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse directement emballer tout et tout. Et donc, il y a un vide qui risque d'être là. Il faut un processus. C'est un processus, mais qui doit être vraiment accéléré. Accéléré de telle façon qu'on soit soulagé, on se dit, on accélère ce processus avec la République démocratique du Congo, qui doit nous montrer aussi ses capacités à traquer tous ces rebelles, à traquer tous ces agresseurs. Je crois que c'est ce qui doit être fait. Donc ce processus-là doit être accéléré, de telle façon qu'on se rende compte que le peuple, c'est le peuple qui l'a demandé. Et je crois que le slogan que le chef de l'État, Tshisekedi, aime, c'est le peuple d'abord. Mais la volonté du peuple, nous avons suivi, par exemple, la MONUSCO, Madame Keïta qui a dit que cette population elle est manipulée, est-ce que c'est ça, c'est vrai? La population, c'est tous les jeunes qui manifestent. Elle peut être manipulée, mais à quel niveau? Est-ce que c'est cette manipulation qui fait qu'on prenne une arme et qu'on tire sur cette même population? Je crois qu'on doit tout simplement l'accepter. Je vous dis que j'ai été parmi ceux-là qui défendaient la MONUSCO. Je sais qu'au point de vue droit de l'homme, il y a beaucoup d'aspects qui étaient très très bien faits par la MONUSCO et la MONUC avant. Mais maintenant, il y a des choses maintenant qui commencent à se passer avec cette MONUSCO. Et on se dit, mais est-ce qu'on est en train de voir c'est à quoi c'est qu'on devait voir. Donc,
Il faut qu'on accepte, il faut qu'on soit conscient qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Vraiment, ça ne marche pas et on doit mettre fin à cette mission. Ou bien l'ONU peut créer une autre mission avec un autre mandat. Parce que ces gens-là, ils observent quand on tue les Congolais. Mais quand les Congolais manifestent, on tire sur eux. Là, il n'y a plus d'observation. Là, on agit. Pourquoi? Et Washington a appelé Kinshasa à protéger les casques bleus qui sont aujourd'hui en danger ici en Europe. Je suis d'accord qu'on doit protéger les casques bleus. On doit protéger parce que ce sont des humains aussi. Ils ont leur pays, ils ont leur famille. On doit les protéger. Mais est-ce qu'il faut protéger seulement un côté et ne pas protéger l'autre? La première mission de la MONUSCO, c'est la protection des civils, la protection de la population congolaise. Mais quand on se dit avec cette MONUSCO qu'on n'est pas capable d'affronter les M23, il est fort. On dit avec cette MONUSCO que non, il n'y a pas assez d'armes, il n'y a pas... Non, mais alors, cette mission a quelle importance ? Observez seulement D'accord. comment on tue, parce que c'est ce qui est réclamé souvent par la population dans les, à Beni et dans les environs. On tue à côté des camps et ces gens observent. Alors, honorable, pour finir la dernière question, qu'est-ce qu'on peut craindre dans les jours qui suivent quand on voit ce qui se passe actuellement au Nord Kivu? On peut craindre quoi, surtout dans les jours à venir? La crainte, c'est que il risque d'arriver à un certain niveau et c'est à ça... Nous ne voulons pas qu'on en arrive là. Il risque d'arriver à un certain niveau où les agents de la MONUSCO peuvent être cueillis, tabassés, même ils ne sont pas libres, alors que ce sont des humains. Ils doivent jouir de leur liberté, surtout qu'ils aiment trop les bars, les restaurants. Ouais. Toutes les nuits, vous savez, à Goma, le nombre de véhicules qui étaient les plus nombreux aux bars et aux restaurants, aux boîtes de nuit, c'était des véhicules avec mention UN. Ils doivent vivre leur vie, ils doivent être libres, mais je crains qu'à un certain moment, ils ne soient plus libres de collaborer avec la population. Tout le monde va les considérer comme des parias et ça, c'est pas normal. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, honorable Simon Kazungu. Je rappelle que nous avons ici en tant qu'un analyste régional en exclusivité sur Congo Live Télévision. Merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, aussi de nous avoir suivis. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye.